Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle a traversé 2, 3 ou 4 millénaires en fonction de ses parties pour arriver jusqu'à nous. Seigneur, on mesure mal le privilège que nous avons de la posséder, d'y avoir accès dans notre langue et par ton esprit d'être rendu capable de la comprendre. Malgré tout, on veut se réjouir et on veut accorder notre attention alors que maintenant elle va nous être lue et expliquée pour que nous soyons pas, nous n'ayons pas des cœurs de pierre, mais qu'au contraire nous ayons ces cœurs de chair qui soient malléables et qui se laissent transformer, affûter par toi pour que tu sois glorifié dans nos vies. Je te remets aussi Johan tout particulièrement en te demandant de l'équiper spécialement de ton esprit afin qu'il ait cette clarté et cette autorité qui viennent de toi. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jonathan. Bonjour à tous et merci pour l'occasion que vous me donnez ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Alors donc comme Jonathan l'a dit, moi c'est Johan. Comme vous le savez, on vient ici avec Emeline, mon épouse, Elinora et Abigail depuis maintenant presque un an, depuis l'été dernier. Et puis on fait nos études à l'IBG en théologie. Ouais, c'est bon. Ok, un peu plus. Comme ça, ça va? Ah oui, je suis désolé Jonathan. Et ouais, donc on est à l'IBG pour une année qui se termine maintenant. Et donc juste pour info, l'année prochaine, on continuera en cycle 2 dans un cycle pastoral. On sera en stage à Paris-Saint-Lazare avec Étienne Conning, qui a été le même formateur que Jonathan, juste en passant. Voilà. Quelques mots me concernant ma famille. Et maintenant, on va, si vous le voulez bien, partager ensemble la parole de Dieu. Donc, j'ai le privilège ce matin de pouvoir ouvrir avec vous une série qu'on va aborder ensemble tout le mois de juillet sur le livre de Ruth. Et avant même de lire le premier chapitre, je voulais juste quelques mots d'introduction à ce livre. Alors le livre de Ruth, vraiment, il porte le nom d'une étrangère qui n'était pas israélite, qui était moabite, qui n'est pas part à l'alliance que Dieu avait contractée avec son peuple. Mais on va voir au travers de ce livre comment, d'une part, une étrangère qui n'a pas part à l'alliance peut, tout simplement par la foi en l'Éternel, le Dieu d'Israël, avoir accès à cette alliance et même devenir une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Et on verra aussi d'un autre côté comment une Israélite, Naomi, pourra elle aussi de son côté, finalement, bien qu'elle a part à l'alliance, se soustraire un peu à Dieu, malheureusement, et tomber dans une amertume qui, par la grâce de Dieu, par l'intervention de Dieu, va cheminer. Et Naomi passera, en fait, au travers de ce livre, elle passera de l'amertume à la grâce. Voilà quelques mots concernant le livre de Ruth. Et maintenant, je veux tout simplement lire avec vous le chapitre 1. Donc, on peut prendre tous nos Bibles. Et merci de suivre la lecture avec moi. Ruth, chapitre 1, à partir de verset 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y,
retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi, qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier, de vous marier plutôt ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent au pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Amen. Je vais vous raconter l'histoire ce matin de Madame Narcisse. Madame Narcisse assistait à l'audience de Yann Charbonneau, un homme de 31 ans, accusé du meurtre d'Ali Hushen Jean, survenu le 11 janvier 2014, dans ce qui ressemble à un vol qui a mal tourné. Ce jour-là, la victime de 27 ans était dans un appartement lorsqu'elle s'est fait mortellement tirer dessus. Charbonneau, qui avait été arrêté 3 ans plus tard, a plaidé coupable ce mercredi. À une accusation réduite d'homicide involontaire et de vol qualifié, il a écopé de 11 années de prison. Et dans l'assistance pendant le jugement, la tête basse et assis dans le box des accusés, Charbonneau semblait secoué par le témoignage de proches présent dans la salle d'audience. « J'ai voulu mettre fin à mes jours. J'ai été consommé par le désespoir », a expliqué Jamila, la sœur de la victime. En s'adressant directement à l'accusé, « Je ne me souviens pas la dernière fois que ma famille a ri ou qu'elle était heureuse. » La mère de la victime a aussi souffert, a-t-elle exprimé au tribunal, en disant « Revivre le meurtre de son fils en continu. » Ce qui l'a mené à être hospitalisé pour une grave dépression. Mais malgré la douleur, elle a finalement décidé de prendre la voie du pardon. « Je ne veux plus écouter ces voix qui cherchent vengeance au fond de moi », a commenté Madame Jean. « C'est parfois dur de pardonner, mais ça rend l'esprit plus léger. C'est pourquoi je lui pardonne. Tout le monde doit pardonner. » Le crime m'a mené au bord de la folie, mais j'ai fait le choix de lui pardonner. J'espère qu'il va utiliser son temps en cellule pour apprendre un métier et pour se pardonner lui-même, a émotivement lancé Dominique Narcisse au palais de justice de Montréal.
Dans ce texte de Ruth, chapitre 1, on va voir de même comment deux femmes exposées à la souffrance ont pris deux voies différentes. Et nous allons voir aussi comment emprunter la voie de l'Éternel est notre plus beau secours, est notre plus belle bénédiction. Et avant tout, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble de la réalité du malheur. C'est mon premier point. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse comprendre ce matin que, au cœur du malheur, il est important pour nous. Il est même dans notre intérêt de nous attacher à Dieu. Au cœur du malheur, attachons-nous à Dieu. Et il est vrai qu'il y a une réalité du malheur qui nous frappe tous. Et les premiers versets de notre lecture sont imprégnés d'une odeur de tristesse à la vue du malheur qui frappe cette famille à Bethléem. Tout commence par une famine, puis par une migration en pays étranger de cette famille. Ensuite, on voit le décès du père, puis des deux fils, faisant de Naomi une veuve et une désenfantée, et de Ruth et Orpa deux veuves. Et que veut nous dire ces premiers versets, le verset 1 à 5 ? Dans les versets 1 et 2, l'auteur commence sa narration avec une précision qui va nous donner le contexte dans lequel se déroule notre histoire. Il va parler du temps des juges. Il va parler d'une famine qui sévissait à Bethléem. Et dans ces trois premiers versets, il y a comme trois ingrédients qui sont incompatibles, qui ne peuvent pas demeurer ensemble. Il faut savoir que le temps des juges, c'est une période où le peuple d'Israël vient juste d'accomplir la conquête du pays promis. Ils sont dans le pays de Dieu, dans la présence de Dieu, sous la bénédiction de Dieu et sous la parole de Dieu. Dieu règne au temps des juges, est censé régner au temps des juges sur son peuple parce qu'il vient juste d'entrer dans la terre promise. Cette terre où est censé couler le lait et le miel. Cette terre où l'abondance est censée être manifestée. Premier ingrédient. Le deuxième, c'est que dans ce pays, ils sont à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain, la maison de l'abondance, qui même autrefois s'appelait Ephrata, qui veut dire fécondité. C'est une région où, en fait, tout est fructueux. Mais dans le pays de Dieu, dans la maison du pain, il y a une famine. C'est assez étrange. Mais il faut savoir que malheureusement, au temps des juges, il y avait une alternance de fidélité et d'infidélité du peuple envers son Dieu. La bénédiction en terre promise dépendait de l'obéissance du peuple de Dieu, dans le pays de Dieu. Sauf qu'au temps des juges, il y a un certain refrain qui revient en boucle dans ce livre. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est un peu une belle expression pour qualifier même le péché. Chacun fait de nos jours ce qui lui semble bon. Et cette famine a certainement frappé Bethléem, dû au jugement de Dieu envers l'infidélité de son peuple. En quelque sorte, Dieu ne faisait que accomplir sa parole dite à son peuple précédemment. Dans le livre de Deutéronome, alors qu'il s'apprête à rentrer dans le pays promis, alors que Moïse est en train de relire la loi à la deuxième génération qui s'apprête à entrer dans le pays promis, voici ce que Dieu leur dit. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. » Expression de famine, plus d'abondance, plus de récolte. Mais c'est dans ce contexte que la famille d'Élimélec et Naomi décident d'immigrer à Moab, afin de trouver de quoi subsister à leurs besoins. Face à la souffrance de la famine, il est nécessaire de trouver de quoi subsister. On est tous d'accord avec cela. Et on le voit même de nos jours, avec les flux migratoires, dus à l'insécurité, dus aux guerres, dus aux famines dans le monde entier, des millions de populations migrent. On a estimé à 281 millions le nombre de migrants internationaux dans le monde en 2020. Soit 3,6% de la population mondiale. Sauf que dans notre contexte, dans ce passage, en immigrant,
la famille d'Élimélec et Naomi a décidé d'abandonner le pays promis de Dieu, là où réside la présence de Dieu, là où Dieu demeure, là où ils peuvent être exposés à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Ils abandonnent le plan de Dieu qui était de bénir les autres nations au travers d'Israël. Et leur attitude est en quelque sorte le reflet de celui du peuple à cette période des juges envers son Dieu. Un peuple qui est prompt à se détacher et à se détourner de Dieu, et encore plus sous la pression de la souffrance. Ce voyage qui était censé être un séjour se transforme en un projet de vie. Ils vont rester quasiment près de 10 ans à Moab, eux qui voulaient juste y séjourner au départ. Et dans les versets 3 et 4, on voit encore une fois le malheur qui continue de s'abattre, encore une fois, sur cette famille. Ce n'est plus la famine, mais le décès d'Élimélec, le chef de la famille, celui qui était capable de pourvoir aux ressources de la famille, puis de Maclon et Kiljon, les deux enfants. Après avoir pris des femmes moabites, ils sont morts sans avoir eu d'enfants, après près de 10 ans. Peut-être dû à une stérilité, eux qui étaient Éphratiens, Éphrata qui veut dire fécondité. Dans tous les cas, le malheur ne cesse de s'abattre sur cette famille qui s'est soustraite à la présence de Dieu. Comment ces premiers versets déjà peuvent nous parler à nous? Comment est-ce qu'on peut se les appliquer? Mes frères et sœurs, je crois que le mal nous atteint tous, qui que nous soyons, partout où nous sommes, parce que nous vivons dans un monde qui est corrompu par le péché. Dès notre jeune âge, nous sommes tous exposés à commettre le mal. Nos pensées se tournent toujours vers le mal. Nous avons tous tourné le dos à l'Éternel pour suivre nos propres voies. Nous agissons comme la famille d'Élimélec, en croyant trouver, par notre propre intelligence, notre conception du bien et du mal, trouver un certain salut, une solution à notre famine existentielle. Mais c'est peine perdue. Nous nous exposons encore plus au malheur lorsque nous nous soustrayons à la présence de Dieu, au peuple de Dieu et à sa parole. Nous pouvons, en tant que chrétiens, être tentés dans les moments difficiles de nos vies de trouver des solutions qui sont simples, mais qui vont nous coûter de pécher, de mentir, ou encore de frauder sous la pression, afin d'obtenir gain de cause dans des situations délicates. On peut aussi décider de travailler de manière illégale, afin de subvenir aux besoins de la famille. On peut prendre des distances aussi avec l'Église, avec les frères et sœurs, ou pire encore, négliger notre communion avec le Seigneur, notre véritable cep. Dans les situations difficiles, exposées à la souffrance, nous sommes tous tentés, frères et sœurs, d'aimer le monde et de répondre à ses séductions, quitte à nous éloigner de Dieu. Mais rappelons-nous que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et que celui qui la perdra à cause de Christ la retrouvera. Comment donc rester fidèle à Dieu malgré la pression de la souffrance? Rappelons-nous ses œuvres passées, ses œuvres de Dieu, ses promesses, afin d'endurer avec persévérance le moment présent, jusqu'à ce qu'il manifeste sa grâce et sa délivrance au temps important. En parlant de manifestation de sa grâce, j'aimerais qu'on puisse maintenant aborder le deuxième point. La grâce de Dieu au sein du malheur. Dans les versets 6 à 14, on voit comment Dieu intervient. C'est-à-dire que de lui-même, il prend la décision d'intervenir et de visiter son peuple dans son malheur, aussi bien à Bethléem que à Moab, dans la famille de Naomi. Le verset 6 est un peu un tournant du chapitre 1. Lorsque Naomi apprend dans le pays de Moab que l'Éternel a visité et intervenu en faveur de son peuple à Bethléem en lui donnant du pain. Elle décide donc de revenir à Bethléem, de retourner sous la bénédiction de Dieu, dans le pays de Dieu, avec le peuple de Dieu. Le mot utilisé ici pour retourner est le même utilisé pour exprimer la repentance. On peut dire qu'ici, Naomi se repent, qu'elle fait volte-face, qu'elle fait demi-tour pour revenir à Dieu et pour bénéficier de la grâce que Dieu a manifestée. Oui, pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour bénéficier de la grâce de Dieu, on a besoin de se repentir. Et c'était le cas pour Naomi. Au verset 8 et 9, Naomi désirant tellement que ses belles-filles rentrent chez elle,
Mais plus que ça, Naomi désirant tellement que ses belles filles puissent jouir de la bonté et du repos, elle va prier pour elles. Elle va demander à l'Éternel qu'il puisse donner à Orpa et Ruth du repos et qu'il puisse manifester envers elles sa bonté. Et en réalité, le repos et la bonté de Dieu étaient deux choses dont le peuple d'Israël aurait dû bénéficier en pays promis. C'est par sa bonté que Dieu avait délivré Israël. Et c'est par cette même bonté qu'il voulait lui donner du repos dans le pays promis. Et Naomi prie à deux reprises pour ses belles filles à ce sujet. La bonté de Dieu, son recède en hébreu, est souvent traduit par bienveillance ou amour inébranlable, comme l'amour indéfectible que l'Éternel porte à son peuple. Le peuple d'Israël aurait dû bénéficier, et même bénéficier, de cette bonté de Dieu et de ce repos qu'il était prêt à leur accorder, à condition qu'il revienne de tout son cœur auprès de lui. Donc on voit d'une part comment Dieu, dans le malheur du peuple, le visite de lui-même à Bethléem en lui redonnant du pain. Mais on voit aussi comment Dieu visite Naomi dans sa relation avec ses deux belles-filles. Alors, est-ce que dans l'assistance, certaines ont des belles-filles ou est-ce que des filles ont des belles-mères, je pense, ouais. Certainement, c'est le cas, hein, je ne me trompe pas. Comment se passent vos relations avec votre belle-famille, votre belle-mère et tout ça? Bon, voilà. Et bien là, en fait, réalisons que dans ces versets, il y a une relation d'amour tellement forte entre Naomi et ses belles-filles. À deux reprises, elles pleurent parce qu'elles vont se quitter. Elles ne pleurent pas juste, elles n'ont pas juste des larmes de crocodile, non, elles pleurent, elles crient en pleurant. C'est émouvant cette scène entre les versets 10 et 13. Et dans cette même élan, Naomi prie pour eux. On voit comment Dieu aussi a visité Naomi alors qu'elle était veuve. Dans ce malheur, comment Dieu a donné à Naomi de pouvoir être entourée de Ruth et Orpa afin de traverser ce moment difficile où elle a perdu son mari et ses enfants. Dieu a béni, a usé de bonté envers Naomi en lui procurant Orpa et Ruth qui ont été une aide pour elle pendant ce temps difficile, qui ont accompagné, qui ont vécu la souffrance avec elle. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais combien c'est réconfortant, comment cela fait du bien lorsque on vit des moments difficiles et que des personnes, des frères et sœurs, nous accompagnent dans nos malheurs. C'est ce que Naomi a vécu. Et c'est un don de Dieu. Dieu a manifesté sa bonté envers Naomi en lui donnant Orpa et Ruth. Ils ne peuvent pas envisager de se quitter. La séparation avec leur belle-mère n'est même pas envisageable. Tant leur relation était forte, empreinte d'amour. L'Éternel avait béni et visiter, malgré son malheur, Naomi dans ses relations. Comment pouvons-nous nous appliquer ces versets encore une fois ce matin? Comme je le disais, nous vivons dans un monde où le mal, la souffrance prolifèrent sans qu'on ne puisse y faire grand-chose. Et cela, malgré nos efforts individuels et collectifs, on y est tous exposés. Mais malgré tout, Dieu use de bonté envers l'humanité en manifestant sa grâce commune. Cette capacité de Dieu de limiter les effets du mal dans notre monde. Il donne en particulier à des hommes de vouer leur vie entière à des causes comme la famine dans le monde, par exemple. Il permet à des hommes de vouer leur vie entière à trouver des remèdes, des solutions aux virus et maladies qui frappent notre monde. Il donne des structures sociales, médicales, judiciaires, bien que limitées, à tous les maux que nous rencontrons sur Terre. Mais sachons-le plutôt, que le comble de l'expression de la bonté de Dieu envers nous, c'est lorsqu'il a visité, non pas Bethléem, mais le monde, afin de mettre un terme à la famine de l'humanité. Le comble de la bonté de Dieu manifestée envers l'humanité, c'est lorsqu'il est descendu lui-même sous la personne du Fils, afin de nous porter secours, afin de porter sur lui nos souffrances, nos péchés et leurs conséquences à la croix. Sa grâce a été manifestée envers nous en ce qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir, coupable pour nous justifier. Il s'est fait souffrant pour nous affranchir. Il a tout enduré afin que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Lui, le Seigneur de l'univers. Et ultimement, frères et sœurs, un jour,
un jour lors du retour de notre Seigneur, le Seigneur détruira pour toujours, pour de bon, le mal qui nous frappe tous. Il nous fera vivre avec lui pour l'éternité dans son royaume. Il essuiera toutes nos larmes, toutes les larmes de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Voici notre espérance. Frères et sœurs, soyons donc conscients de ce que Dieu est et de ce qu'il fait au milieu de notre malheur et de nos souffrances. Ayons les regards fixés sur lui, au cœur de nos souffrances, afin de cultiver la foi, nous conduisant à la joie dans l'épreuve. C'est ainsi que j'aimerais qu'on aborde ensemble le dernier point, notre attitude face au malheur. Dans ces derniers versets, on va voir deux attitudes bien différentes face au malheur et à la souffrance. Celle de Naomi, qui est dans l'amertume, se considérant frappée par Dieu. Et celle de Ruth, qui est dans la foi et plein d'espérance, malgré son malheur. Les versets 14 à 17, dans ces versets-là, le maître mot, c'est le verbe « s'attacher ». Ruth, malgré son affliction et sa souffrance, elle a aussi perdu un mari. Elle s'attache à Naomi. Mais elle ne fait pas que s'attacher à Naomi. Elle s'attache à son pays, à son peuple et même à son Dieu. Elle est même prête à être maudite si autre chose que la mort vient la séparer de Naomi. Ruth dit à Naomi, « Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » En fait, Ruth fait une déclaration de fidélité et d'amour envers Naomi et envers le Dieu de Naomi. Cette déclaration de Ruth est en réalité la déclaration que Dieu attendait de son peuple. Dieu attendait de son peuple qu'il soit prêt à le suivre là où il va, à habiter là où il habite. Parce que Dieu lui-même avait décidé d'habiter au milieu de son peuple. Une des promesses qui est redondante avant la terre promise, c'est que « Je serai votre Dieu ». Et j'habiterai au milieu de vous. Dieu voulait habiter, demeurer au milieu de son peuple. Et de même, Dieu voulait que son peuple demeure, habite, soit auprès de lui, dans cette relation d'amour basée sur la bonté de Dieu. Et c'est Ruth, une étrangère en fait, qui fait cette proclamation à Naomi et au Dieu de Naomi. Cette imprécation au verset 17 exprime la foi que Ruth a développée. En l'Éternel, le Dieu de Naomi, durant ces années passées. On voit par ce texte que dans le pays de Moab, les gens, le peuple de Moab, avaient écho de ce qui se passait au pays d'Israël. On ne sait pas comment Ruth a développé cette foi, mais en tout cas, elle a développé en l'Éternel. Peut-être en voyant vivre Naomi et Elimelech pendant le temps qu'elle était avec eux, ou encore tout ce qu'elle a pu entendre sur le Dieu d'Israël. Mais en tout cas, elle décide de mettre sa foi dans le Dieu d'Israël. Elle était donc prête à revêtir une nouvelle identité en s'attachant au peuple d'Israël et à son Dieu, malgré son malheur, et quitte même à mourir. Elle prend un engagement de fidélité absolue envers sa belle-mère, son peuple et son Dieu, ne sachant pas du tout l'avenir qui lui était réservé. Est-ce qu'elle serait acceptée parmi le peuple d'Israël? Allait-elle subir la haine, le rejet, le mépris de la part de ce peuple, elle qui était étrangère et moabite en plus? Pourrait-elle subvenir à ses besoins primaires? Que d'interrogations sans réponse pour Ruth au moment où elle prend cette décision. Elle a abandonné une situation qui était connue, qui était confortable, qui était sécurisante, tournée vers elle-même pour choisir le chemin de la foi, pour aimer Naomi et se soucier d'elle, prendre soin d'elle, quitte à perdre tout ce qu'elle avait. Elle est prête à vivre dans le pays de Dieu, sous la bénédiction de Dieu. L'amour de Ruth pour Naomi est celui que le peuple aurait dû manifester envers l'Éternel, pour s'attacher à lui et le servir. Ruth a dit, l'auteur de ce livre dit que Ruth s'est attachée à Naomi. Ruth, une étrangère moabite, revêt l'attitude de cœur que le peuple élu de Dieu aurait dû manifester à son égard. Un engagement de fidélité envers lui, un engagement de fidélité que seule la mort aurait pu rompre. Et Ruth va devenir un élément phare de ce livre,
son attitude et la bénédiction qui s'ensuivra seront des modèles et des exemples. Elle qui est une étrangère. Quant à Naomi, malgré son retour à Bethléem, elle se considère comme frappée par Dieu. Elle voit sa vie vidée de toute valeur, ayant perdu son mari et son fils. Elle se considère comme frappée de Dieu. Naomi avait comme idole son mari et ses enfants. Sans eux, sa vie n'avait plus aucun sens. Elle cultive de l'amertume et se prive de la joie de communier à nouveau avec le peuple de Dieu, dans le pays de Dieu, dans la présence de Dieu, sous sa bénédiction. Elle stoppe net tout l'enthousiasme qui était autour de son retour, en demandant qu'on ne l'appelle pas Naomi, qui veut dire ma joie, mais Mara, qui veut dire amer. Elle se prive de la joie pour s'adonner à l'amertume. L'amertume, mes frères et sœurs, c'est un sentiment qui est dévastateur. Un sentiment fille de la colère. Un sentiment de rancœur, d'humiliation et de déception, criant justice. C'est un melting pot de sentiments noirs que l'on nourrit envers quelqu'un ou une situation considérée comme injuste. Naomi vit, selon elle, une injustice. Elle crie par son amertume, elle crie réparation à Dieu. Selon elle, le Tout-Puissant la remplit d'amertume. C'est de sa faute si elle est ainsi, car le Tout-Puissant lui a pris son mari et ses enfants. Il est la cause de son mal. Vous savez, une controverse qu'en tant que chrétien, on peut rencontrer auprès de nos contemporains, c'est ce paradoxe qu'il y a entre un Dieu qui est bon et un Dieu qui permet le mal. Comment un Dieu bon peut-il permettre le mal? Comment un Dieu bon peut-il laisser le mal proliférer autant? Soit Dieu est bon, mais incapable, impuissant. Soit Dieu n'est pas digne de confiance parce qu'il est puissant, mais qu'il n'arrête pas le mal. Mais vous savez, Dieu est le premier à avoir fait face à la souffrance de notre humanité, d'une manière aussi intense, aussi forte. Dieu le Père a accepté que son Fils souffre, subisse le mal, la pire des souffrances, à cause de chacun d'entre nous. Dieu est le premier qui aurait dû s'ériger avec autant d'amertume, pas envers une personne, mais envers toute l'humanité. En criant justice à cause de notre péché, son Fils a été cloué injustement. À cause de nos péchés, son Fils a subi le mal de plein fouet. Mais le sacrifice de Christ est tellement parfait, tellement puissant, qu'il a satisfait la justice de Dieu. Il a satisfait les regards du Père. Et Dieu peut nous regarder aujourd'hui avec amour, avec un amour intense, car sa justice a été satisfaite par le Fils. Voilà la réponse de Dieu au mal. Il est venu lui-même subir de plein fouet le mal. Et un jour, il arrêtera pour toujours. Contrairement à Job, qui n'a rien attribué d'injuste à Dieu et qui s'est écrié après la perte de ses biens matériels et de sa famille, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Naomi, quant à elle, elle pêche dans son amertume, en vivant dans le passé. Elle est revenue physiquement à Dieu, dans le pays de Dieu, mais pas de tout son cœur, du moins pas encore. L'amertume, ce péché qui nous fait perdre de vue réellement qui est Dieu. L'amertume qui nous pousse à attribuer à Dieu la raison de nos malheurs ne les expliquera jamais et ne nous fera pas sortir de ce sentiment noir, ce sentiment qui nous pourrit la vie et qui pourrit la vie de ceux qui nous entourent. Nous sommes privés de la joie du salut et nous péchons lorsque nous nous lançons dans ce genre de procès contre Dieu. Comment pouvons-nous sortir de ce cycle infernal qui est l'amertume? Il nous faut revenir de tout notre cœur à Dieu en acceptant de lâcher prise. On peut le prier avec des larmes et exprimer à Dieu toutes ces émotions qui nous submergent et nous envahissent. On peut répandre notre âme devant Dieu en se lamentant et lui confier nos souffrances et nos pourquoi, notre désarroi. On peut dire au Seigneur, pourquoi permets-tu cela? On peut dire à Dieu, au combien on est abattu, au combien on n'en peut plus. On peut lui exprimer notre besoin vital de sa présence, lui qui est le Tout-Puissant. On peut lui réitérer notre volonté de lui faire confiance
en comptant sur sa bonté, son secours et son repos à venir, qui sera manifesté, frères et sœurs, tôt ou tard. On peut lui réaffirmer notre désir de le servir et de l'honorer dans nos vies. Pour conclure, j'aimerais nous poser ces questions. Qu'allons-nous donc faire maintenant avec cette amertume qui nous ronge depuis tant de temps? Allons-nous continuer à imputer à Dieu la raison de nos malheurs, de notre souffrance? Allons-nous maudire Dieu et mourir, comme pouvait dire la femme de Job? Sachons que Dieu est en rien responsable de notre malheur. Où allons-nous choisir la voie de cette femme qu'on a entendue au tout début, qui a perdu son fils et qui souffrait? La voie du pardon, la voie de la confiance en Dieu, la voie de la dépendance en Dieu, comme notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle à cet égard. Le Seigneur Jésus qui a souffert pour nous, mais qui nous a laissé un exemple, afin que nous puissions suivre ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin que, mort au péché, nous puissions tous vivre pour la justice de Dieu. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéri, il nous a montré le chemin. Il est le chemin. Et bien que le christianisme ne donne pas la raison de chaque expérience douloureuse, il offre d'importantes consolations pour affronter le malheur avec espérance et courage, plutôt que de le subir avec amertume et désespoir. Amen. Je vais vous inviter à prier maintenant devant ce message qu'on a pu entendre de la parole de Dieu, et demander à Dieu qu'il nous aide. Personnellement, je suis aussi exposé à l'amertume avec différentes situations dans ma vie. Et on peut tous lutter avec ce sentiment, et je sais que je peux lutter aussi avec ce sentiment. Alors ce matin, crions à Dieu, comme on l'a entendu, et demandons-lui réellement de nous aider à emprunter le chemin que Christ a emprunté, en mettant notre confiance en Dieu. Prions.